Bon, les enfants, aujourd'hui, je vous rends vos rédactions. Nicolas, 8 sur 10. Bravo, Nicolas. Excellente rédaction. Merci, mademoiselle Nelly. Chen, 8 sur 10. Félicitations. Ex aequo avec Nicolas. Cédric, 3 sur 10. Et encore, c'est généreux. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Tu te laisses aller. Il va falloir que tu te reprennes. Christian peut mieux faire. 4. Manu, 5. Tu regardes trop la télé, Manu. Oh là là, 4, c'est la cata. Remarque-toi, c'est encore pire. Wow, tu parles trop cool. Une note comme ça, je pouvais pas rêver mieux. La rédac à la maison, ils m'ont tous donné un coup de main pour la faire. Résultat, j'ai pas pu aller au foot et une mauvaise note. Mais cette note, c'est leur note. Après ça, ils vont peut-être me laisser tranquille avec et les devoirs. Et n'oubliez pas de ramener vos bulletins signés demain. Ça, par contre, c'est moins cool. Bon, d'accord pour la rédaction, Cédric. Soit on n'est plus dans le coup, soit les méthodes ont changé. Mais pour le reste, c'est le troisième bulletin aussi mauvais. Mais enfin, c'est incompréhensible. Même ta maîtresse le dit. Tu as tout pour y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes? Je crois que ton seul problème, Cédric, c'est que tu préfères aller jouer avec tes copains au lieu de faire tes devoirs. C'est pas vrai, je les fais, mes devoirs. Dis plutôt que tu les expédies. Promis pas. À partir de maintenant, je vais les faire bien. C'est ce que tu dis à chaque fois. Écoute, Cédric, on a tout essayé avec toi. Et t'aider nous-mêmes à faire tes devoirs n'est visiblement pas la solution. Il est temps que tu te ressaisisses. Et pour ça, je ne vois qu'une chose à faire. Du soutien scolaire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cauchemar. C'est quelqu'un qui vient à la maison t'obliger à faire tes devoirs. Ma mère, elle a mis une annonce à sa boulangerie. Elle a déjà reçu 3 coups de fil. Bonjour. Je viens pour l'annonce. Oh non, blaireau futé, pas lui. Il a redoublé toutes ses classes. C'est pour ça que je connais tout le programme. C'est ici pour que je donne des cours. C'est lui, là, le nain de jardin. Pour cette taille-là, c'est 20 euros de l'heure. 20 euros? Et pourquoi pas 30? Désolé, mais c'est trop cher. Bonjour, c'est bien ici la maison des Dupont? Je viens pour la petite annonce. Je préfère vous prévenir tout de suite. Je ne suis disponible que le jeudi à partir de 5h. Le jeudi, c'est parfait pour moi. J'ai pas foutu. Le jeudi, moi, je peux m'arranger pour finir plus tôt. Moi, de toute façon, je suis là tous les jours. Excusez-moi, mademoiselle. Désolée, mais les cours sont pour Cédric et il en a besoin au moins 3 fois par semaine. Merci et au revoir. J'ai vu votre petite annonce dans le journal local. Ah, parfait. Oui, très bien. Eh bien, c'est d'accord. À demain. Elle m'a l'air très bien, cette madame Binoche. C'est une ancienne directrice d'école à la retraite. Tout ce qu'il y a de mieux pour toi, Cédric. À la retraite? Mais alors, elle est super vieille. Eh oh, gamin, qu'est-ce que tu as contre les vieux? Quoi? Madame Binoche? Tu sais comment on la surnomme? Le vieux dragon? Tu parles un peu que je la connais. C'est ça, tu vas me dire que tu l'as vue à la télé? Je te ferai dire d'abord que c'est pas à la télé que je l'ai vue. Mais mon grand frère, il l'a eu à l'école. Je te raconte pas. Terrible! Un vrai monstre! Le genre à te faire apprendre tout par cœur. Mon frangin, il en fait encore des cauchemars. Faut toujours que t'exagères, toi. Allez, t'en fais pas. Je suis sûre que ça va bien se passer avec elle. Si ça se trouve, elle est super sympa. Et puis si elle est vieille, elle va bien s'entendre avec ton pépé. Exercice suivant. Un homme marche derrière un âne. Conjuguez et expliquez la phrase suivante, jeune homme. Je suis ce que je suis et je ne suis pas ce que je suis. On se demande quel est l'âne qui a inventé un truc pareil. Monsieur, sachez que de mon temps, les enfants connaissaient leur conjugaison par cœur et savaient écrire sans faute. Oui, eh bien, madame, moi, sachez que de mon temps, on se contentait d'apprendre aux enfants à lire, écrire et compter sans les torturer. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Vous, 7 fois 8, vite. Quoi? Comment? Est-ce que je sais, moi? Je vois. Avant d'intervenir, vous feriez mieux de réviser vos tables de multiplication, jeune homme. Maintenant, laissez-moi travailler. Reprenons. Un homme marche derrière un âne. C'est ça. Marrez-vous. Et vous, vous savez combien ça fait, 7 fois 8, hein? 56, pourquoi? Allons, papa, ne le prends pas mal. Mais Cédric a vraiment besoin de soutien scolaire. C'est vrai, tes parents ont raison, gamin. C'est pour ton bien. N'empêche qu'elle mérite bien son surnom. Un homme marche derrière un âne. Conjuguez et expliquez la phrase suivante, jeune homme. Je suis ce que je suis et je ne suis pas ce que je suis. N'importe quoi. N'importe quoi. Et d'abord, tu suis qui? Moi, j'ai pas compris. Ben, je suis l'âne, tiens. Vous, faites trop vite. Feriez mieux de réviser vos tables au lieu de rire. Moi, je vous le dis, avec mon pépé, on va lui en faire baver au vieux dragon. T'as raison. Faut pas se laisser faire. 7 fois 8.
Bravo, jeune homme! Vous avez plus de dents pour le théâtre que pour les études. En attendant, je vous rappelle que nous avons rendez-vous. Aïe, aïe, aïe. Oups. Merci, les copains. Ma réunion? 1515. Couronnement de Charlemagne? Eh bien, j'attends, jeune homme. Complètement stupide. Pardon? Rien, je disais que c'était stupide. Ça fait une heure que vous lui faites apprendre des dates par cœur au lieu de l'intéresser au sujet. C'est pas comme ça qu'on apprend l'histoire aux enfants. D'abord, on dit ce n'est pas comme ça. Ensuite, sachez que mes méthodes ont fait leur preuve en 40 ans d'exercice, monsieur. Alors retournez voir votre télévision et laissez-moi travailler, je vous prie. Vous savez ce qu'elle vous dit, ma télévision? Ouais, vous savez ce qu'elle vous dit, sa télévision? Cédric, je parle avec Madame Binoche, pas avec toi. Inutile de nous énerver, mais je vous préviens. Je ne vous laisserai pas torturer mon petit-fils plus longtemps. Le torturer, moi? Attention à ce que vous dites! Évidemment, si votre grand-père se mêle de ce qui ne le regarde pas, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous, jeune homme. Ce sera bien votre faute si Cédric rate ses études. Mon petit-fils, je m'en occupe depuis qu'il est grand comme ça. Alors c'est pas vous qui allez m'apprendre comment m'y prendre avec lui. Compris, espèce de vieux dragon! Non! Je ne resterai pas un instant de plus dans cette maison! C'est ça! Et n'y revenez plus! Super, Pépé, tu l'as bien eu! Ouais. Je me demande comment tes parents vont le prendre. Franchement, papa, c'est pas malin, malin. Tu veux vraiment que Cédric échoue à l'école? Non, bien sûr que non. Mais a-t-on besoin d'engager un dragon pour faire entrer quelques malheureuses dates dans ce fichu crâne? Je le répète, le gamin, il est intelligent. Tout ce dont il a besoin, c'est de se mettre au travail. Et pour ça, il n'a pas besoin du vieux... de Madame Binoche. Ne crois pas que tu vas échapper à des cours particuliers, mon petit Cédric. Mais en attendant, va falloir trouver quelqu'un d'autre. Oh, il y avait bien cette jeune étudiante. Tu sais, celle qui n'était libre que le jeudi. Bon, d'accord, avec Pépé, on a réussi à virer le dragon. Mais les parents, ils veulent toujours que j'ai des cours. J'ai essayé de bosser un peu plus pendant un moment. Peut-être qu'ils oublieraient. Attends. Je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Hé, Chen, attends-moi. T'aider à faire tes devoirs? Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps entre le violon et l'équitation. Je sais pas. Bah ouais, mais comme t'es la première de la classe comme ça, moi j'aurais peut-être des meilleures notes. Allez, dis oui. Pourquoi pas? Mais d'abord, il faut que je demande à mes parents s'ils sont d'accord. Trop fort! Comme ça, tu fais tes devoirs et tu passes du temps avec Chen. Ouais, j'ai vu un truc comme ça à la télé. Mais le gars, à la fin, il s'apercevait qu'il pouvait plus la voir en peinture, la fille, tellement elle le faisait bosser. Oh, toi! Salut, les gars. Vous êtes prêts pour écouter mon exposé? Préparez-vous à en apprendre des choses. Oh, lui! Bon, Cédric, les parents de Chen sont d'accord. Je viens de les appeler. Vous pouvez commencer dès demain. T'es sûr que c'est une bonne idée? Ça ne va pas recommencer comme avec Christian, quand ils faisaient leurs devoirs ensemble? Non, non, pas, je te jure, Chen, elle est hyper sérieuse. Elle t'a qu'à demander à Mademoiselle Nelly. Bien joué, gamin. Chen, Cédric, venez me voir. Franchement, je ne suis pas contente. Depuis que vous faites vos devoirs ensemble, les notes de Chen s'écroulent. Et toi, Cédric, tu ne fais plus aucun progrès. Je suis désolée, mais cette situation ne peut plus durer. Je me vois dans l'obligation de prévenir vos parents. Allons, gamin, c'est pas la fin du monde. Tu peux pas comprendre, toi. Bon, vous ne pouvez plus faire vos devoirs ensemble. Allez, ça ne t'empêchera pas de la voir au parc, ta chinoise, ni à l'école. À propos d'école, gamin, tu ne crois pas que tu exagères? Regarde tes parents, ils se font du souci pour toi. Ils ne savent plus quoi faire, alors qu'il te suffirait de te remettre au travail, dit Joe. Alors même toi, t'es contre moi? Mais moi, j'ai pas le temps de faire une heure de devoir tous les soirs. J'ai autre chose à faire, moi. J'ai des copains, moi. Je m'appelle pas Nicolas, Denis, machin chose, moi. Je suis pas premier de la classe, moi. Dites-moi, j'ai peut-être une idée qui pourrait bien lui remettre le pied à l'étrier au gamin. On fait comme prévu? Je t'appelle dans un quart d'heure pour aller jouer au foot ou tu veux faire tes devoirs? Appelle-moi. Attention, le voilà, vous êtes prêts? Oui. Écoutez, c'est très gentil de votre part. Et ce serait possible dès demain? Juste une heure par jour? Oh, mais ce serait parfait! Parfait, Madame Dolnay des Charentes du Ventoux! Encore une fois, merci, Madame Dolnay des Charentes du Ventoux! À demain, donc, et au revoir! Oh, Cédric, bonjour, mon bonhomme! J'ai une bonne nouvelle pour toi! Figure-toi que Madame Dolnay est d'accord pour que son fils, tu sais, Nicolas, vienne te donner des cours particuliers après l'école. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Quoi? Oui, mon chéri, ton père et moi, on a pensé que c'était une bonne idée. Écoute, c'est la solution idéale pour que tu fasses enfin tes devoirs.
1, il est premier de la classe ex aequo avec Chen. 2, je suis à peu près certain que tu n'as pas spécialement envie de jouer avec lui. Ça t'évitera de faire le zozo au lieu de travailler. Ah non, pas lui. Alors là, pas question. Où est-ce que tu vas? Faire mes devoirs. Le Nicolas, il mettra pas les pieds ici, bande de traîtres. Oh. C'est toi, Christian. Non, Cédric ne pourra pas venir jouer avec toi. Pourquoi? Je crois qu'il est en train de faire enfin ses devoirs et il a demandé à ce qu'on ne le dérange plus. Vous devriez avoir honte d'avoir monté un bobard pareil au gamin. Papa, je te rappelle que c'est ton idée. Oui, efficace, mais je me demande combien de temps ça va durer. Bon, il sera toujours temps de trouver autre chose. Mais la menace de voir Nicolas débarquer durera bien jusqu'au prochain bulletin. La console... Les devoirs... La console... Les devoirs... Et demain, tu me réciteras tout ça. Ça, Nicolas? Elle est superbe. Dis-moi, serais-tu d'accord pour qu'on utilise ta caméra dans le cadre de l'école? Oh, oui, bien sûr. Va t'asseoir, Nicolas. Eh bien, la chaîne de télé locale organise un concours de films amateurs. J'ai reçu les papiers ce matin. J'avais bien prévu de participer, mais ma vieille caméra Super 8 vient de rendre l'âme. Un vrai film avec des vrais acteurs et une vraie histoire? Oui, une vraie histoire que vous allez écrire. Et de vrais acteurs, vous. Une excellente façon de vous faire travailler collectivement. Oui, Nicolas? Je peux aussi prêter ma maison pour le tournage. Elle a déjà été utilisée pour un documentaire dans Demeure de notre région. Ma mère n'y verra aucun inconvénient. Quel frimeur, c'est pas vrai. Chut. Oh. Et on commence quand? Maintenant, votre premier travail collectif va être de trouver un thème qui vous plaise à tous. Un film de pirates? C'est trop bien les films de pirates! Pas du tout! Un film historique, c'est ça qu'il faut faire! Mon ancêtre, Aldebert Duc... Moi je veux un film d'amour! Un film romantique! Avec de l'aventure aussi! Oui! Elles ont raison les filles! Un film d'amour c'est bien! C'est exactement ce qu'il faut! Et qui vote pour le film d'amour? Bien, je crois que je vais devoir vous départager. Eh bien, moi, je suis pour le film d'amour. Oh! Attendez, d'amour et d'aventure. Et pourquoi pas un pirate amoureux? Tout le monde peut s'y retrouver. De l'émotion, de l'action, en costume, pourquoi pas? Ok, moi je filme. Si tu veux. Alors, des idées? C'est l'histoire d'un gars qui habite dans un grand château. Toi, t'apportes ta caméra et tu prêtes ta maison, point barre. Cédric, tu permets? Nicolas peut jouer comme tout le monde. Ce n'est pas à toi de décider qui fait quoi. Moi, je voudrais être script. C'est celle qui dit tout ce qu'il faut faire. D'accord. En attendant, essayez de réfléchir chez vous ce soir à une histoire qui vous plairait. Demain, on étudiera toutes les propositions. Merci, merci beaucoup. Non, j'étais plou, ça commence à faire mal. Cédric est malade. D'habitude, il adore cette émission. Non, il écrit un film. Un film? Oui, c'est une idée de Mademoiselle Nelly. Les enfants vont faire un film tous ensemble. Il ferait mieux d'apprendre correctement leur table de multiplication. J'ai toujours su que ce serait un artiste, ce gamin. Pas fait pour vendre des... Papa! Revêtements de sol.
En attendant, il est tard. Oh, et je vais l'envoyer au lit, notre artiste. Et après, le chevalier, il épouse la princesse. Ils se marient et ils ont un bébé, un seul, pour qu'il soit pas embêté par ses frères et sœurs. Merci, Valérie. À qui le tour? On t'écoute, Cédric. Un psychopathe. Un quoi? Bah, un gars qui est malade dans sa tête, quoi. Un psychopathe richissime est amoureux d'une fille très belle et très brune. Elle, elle est amoureuse d'un garçon très très sympa et très très pauvre. Ils vont se marier bientôt. Le jour du mariage, le psychotruc l'enlève avec sa demoiselle d'honneur, juste quand elle part pour la mairie. Le fiancé, très très sympa et très très pauvre, devient fou de douleur et tombe malade. Sa famille est catastrophée. Le psychochose, il retient les deux filles prisonnières dans un château très grand et très triste. Et il les fait garder par un chien féroce et sanguinaire. Oh, on pourrait prendre Caligula? Oh ouais, je suis sûre que Madame Bertrand nous le prêterait. Mais la demoiselle d'honneur très sportive réussit à s'enfuir par la fenêtre. Et comme elle est très très rapide, elle sème le chien qui court moins vite qu'elle et qui s'essouffle parce qu'il est asthmatique. Ben, il peut plus respirer, le chien, il s'écroule. La fille va prévenir la police. Elle entre dans le commissariat et là, avant de mourir d'épuisement, elle réussit à raconter son histoire à un inspecteur très courageux qui fonce chez le monstre. Là, il tombe dans un piège et il est pris en otage, enfermé dans un cachot. Mais le fiancé très malade et très très courageux va quand même partir à la recherche de sa fiancée. Grâce à des morceaux de voile accrochés dans des buissons, il retrouve sa trace. Il apprivoise le chien au péril de sa vie, affronte le monstre et le tue et délivre tout le monde. L'héroïne lui tombe dans les bras et l'épouse sur le champ. Eh bien, quelle imagination, Cédric! Alors les enfants, on choisit quelle histoire? Celle de Cédric! Bon, très bien. Maintenant, on s'occupe de la distribution. Qui fait quoi? Cédric? Bah, il y a le psychopathe qui habite dans le château et a beaucoup d'argent. Et puis le fiancé très gentil et très pauvre. Si Nicolas joue, c'est bien qu'il fasse le gars qui a de l'argent. Tienne, oh, la princesse et le fiancé. Et le fiancé, c'est toi, bien sûr. J'en étais sûre, alors là, pas d'accord. C'est moi qui l'ai inventé, cette histoire. Si c'est comme ça, je la prête pas, ma caméra, puis ma maison non plus. Mais on s'en fiche de ta maison. Ça suffit maintenant, tous les deux. Les rôles, on va les tirer au sort. Comme ça, pas de jaloux. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Ça a pas l'air d'aller. Et ton film, il en est où? C'est l'horreur. Je vais jouer le méchant et c'est Nicolas qui va épouser Chen. C'est nul. Sûr, c'est pas terrible. Attends un peu, je réfléchis. C'est peut-être pas si grave que ce soit toi le méchant. Tu trouves, toi? Oui, souviens-toi du film La Belle et la Bête. Au début, la Belle, elle a super peur de la Bête. Puis, elle se rend compte que celle-ci est gentille au fond. Qu'elle l'a kidnappée parce qu'elle est très malheureuse. Et surtout parce qu'elle l'aime à la folie. Alors elle est touchée. Et puis, très souvent dans les films, le gentil, il est tellement gentil qu'il se sacrifie par amour. Et même, il meurt pour laisser sa place à l'autre. Celui dont la belle est amoureuse. Mais qu'est-ce que tu fais encore debout à une heure pareille? Allez, hausse ton lit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Je suis ravie de vous rendre ce service. Et puis Nicolas est tellement content de faire plaisir à tous ses petits camarades. Oui, c'est super sympa. Attends, Chen, je vais t'aider. Merci. Très joli, ce costume. Je ne dérange pas, j'espère. Mais c'est tellement amusant de vous voir faire. Pas du tout. Bon, on commence par la scène avec Caligula. Madame Bertrand vient le récupérer à 16h. Allez, Caligula, attaque! Ici, Caligula, reviens! Reviens ici, Ils sont vraiment turbulents. Soyez gentils de les surveiller d'un peu plus près. Je suis vraiment désolée. Attention, voyons. Tu bouges plus, le chien. Tu parles? Il a pas l'air féroce du tout. Ça ira, ça ira. On commence. Action.
Pardonne-moi, ma bien-aimée. Au fond, je ne suis pas si méchant. J'ai pu te paraître cruel, mais je suis si malheureux. Ma mère est morte en me donnant la vie. Mon père est parti un jour acheter du pain et n'est jamais revenu. Et puis, le premier jour où je t'ai vue si belle, j'ai su que tu étais la femme de ma vie et je n'ai plus pensé qu'à toi. Jour et nuit, nuit et jour, je suis toute à toi. Waouh, tu joues super bien. Et là, je fais quoi? Ben, tu m'embrasses. C'est pas dans le texte. Il triche. Et alors, on s'en fiche, c'est tellement beau. On peut changer quand même. Et d'abord, si, c'est dans le texte. Regarde. Hein? Il a tout changé. Mademoiselle, il a tout changé. Ça suffit. Moi, je ne joue plus que 3 minutes, puis je meurs. C'est pas marrant. Elle a raison, c'est nul. Moi, je le fais plus, ce film. Bonjour, je viens récupérer mon chien. Ça suffit! Puisque vous êtes incapable de faire un travail en collectivité sans vous taper dessus, on arrête tout de suite. Pas de film. On range et chacun rentre chez soi. Quant à toi, Cédric, on va avoir une petite discussion tous les deux avant de partir. Attends-moi là. Je suis sincèrement désolée. Je vous souhaite bien du courage, mademoiselle. C'est terminé. Mon garçon, donne-moi cette caméra, s'il te plaît. Salut la terreur. Alors, le film dans la boîte? M'en fiche du film. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Et en plus, j'ai été punie. C'est pas juste. 2 semaines de devoirs de maths. 2. Oh, c'est beaucoup. T'as pas dû y aller de main morte. Plus jamais je t'écouterai. Les gars, il faut que vous regardiez la télé ce soir. Il y a un truc super. Chez moi, la télé, elle est squattée par mon grand-père. Il regarde tout le temps ces trucs de vieux. Ouais. Wow, nul. Bonsoir, gamin. Soir. Cédric? Oui? Tu veux goûter? Non. Encore une semaine d'exercice. Remarque, sur 1 an, 2 semaines, c'est peu. On aura peut-être un bulletin correct cette fois-ci. Cédric, non le dites-tu, viens voir, gamin, c'est ton copain. Quel copain? Ton copain, Manu, à la télé, descends. Voici donc le jeune gagnant de notre concours de films amateurs, mention spéciale. Il s'agit d'un making-of, un film sur la façon de faire un film. C'est bien ça, petit? Oui, monsieur. Et celui-ci est particulièrement drôle. Je vous laisse juger. Oh non, il a pas fait ça. Je suis... Quel traître! Tu m'embrasses. Eh ben, gamin, tu t'es pas trop mal débrouillé, on dirait. Oui, j'adore écrire des histoires. Sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Allez, vas-y, goûte. Hey, je sais, c'est de la cannelle. Ma mère en met dans ses biscuits. La cannelle? C'est pas facile à reconnaître en plus. On a presque tout trouvé, il manque plus que ça. Pas de problème, je m'en charge. Hé, hey, pas trop. T'as entendu ce qu'a dit mademoiselle Nelly il y a 2 secondes? Je vais au lavabo. C'est peut-être du gingembre? Oh, c'est super fort! Ça lui apprendra à faire le malin!
gingembre. Tiens, Christian, tu veux goûter? Alors, comment ils sont? Qu'est-ce qu'il a encore? Il n'y a pas de truc fort dans mes biscuits. Pour fêter tous les goûts, nous allons faire un goûter au parc avec vos gâteaux. Vous les ferez par équipe de deux, avec l'aide de vos parents, si vous voulez. Dis, Chen, tu veux bien te mettre avec moi pour faire le gâteau? Et toi avec moi? On a déjà décidé de faire équipe toutes les deux. C'est pas de bol. C'est vrai, je suis nulle en cuisine et toi t'es tellement bonne. C'est vrai, faut que vous nous aidiez. D'accord. Et j'espère que Chen a une autre recette de gâteau que ce de tout à l'heure. Sinon, burk. T'inquiète, j'ai un plan. Bien sûr que je peux vous aider à faire des gâteaux. De toute façon, il est hors de question que toi ou Chen vous touchiez au four. Ça me fait très plaisir que tu t'intéresses à la cuisine. Les grands chefs ont commencé comme ça. Moi, je dis, c'est le début d'une grande passion. Je vais t'apprendre à faire les sablés au thé vert. Au thé vert? Ça va pas être un peu, zarbe? Pas du tout. Mademoiselle Nelly a dit de faire quelque chose d'original. Mais on peut demander à ma mère de nous aider, peut-être, non? Cédric, tu me manques vraiment de confiance en toi. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, non? De la farine, des œufs, du beurre, du lait, du sucre... Sacré gamin, va! Waouh! Ça sent drôlement bon. Bah, évidemment. Tout va bien, pas besoin de moi? Vous m'appelez pour sortir les gâteaux du four, d'accord? Oui, ma... Oh non! Tu t'es peut-être trompée dans la recette. C'est un problème de cuisson, pas de recette. Je parie qu'ils sont très bons. Vas-y, goûte. Dégueu! Comment ça, dégueu? Bah... Ah, tu vois? C'est votre four, il doit être détraqué. Tu crois? Pourtant, ma mère l'est réussie d'habitude. C'est ça? Dis que je suis nulle? Chen, attends! Je retourne avec caprice. Chen! Chen! Oh... Plus jamais je goûterai les gâteaux de Caprice. Elle avait du poivre sur sa tarte aux fraises. Paraît que ça fait ressortir le goût. Je lui ai tout craché dessus. Elle m'a viré de sa cuisine. Je peux mettre avec vous? Avec moi, tu veux dire? Chen, elle est partie, super vexée. La mayonnaise n'a pas pris. C'est sablé au thé vert, je te dis pas. Les filles. On fait quoi, alors? Vous avez besoin de quelque chose, les garçons? Attention, c'est brûlant! Waouh, ils sont super beaux! Et je te garantis qu'ils seront super bons aussi! Merci, maman! Bon, les garçons, je compte sur vous pour tout nettoyer. J'imagine la tronche des gâteaux de Chen et de Caprice! Bonjour, la honte! Oh, tout le monde va se moquer d'elle! C'est pas drôle! C'est super chaud! Écoute, gamin, je ne vois pas ce que tu peux faire de plus pour Chen, à part transformer ses gâteaux avec une baguette magique. Allez, t'en fais pas, elle s'en remettra. Hé, hey, Christian, t'as pas vu Chen? Avec le gingembre, le poivre et le cramage de langue, je sens plus le goût de rien, moi. Pour une fois qu'on va goûter plein de gâteaux, c'est pas de bol. Sauf pour ce défi. Si c'est dégueu, je sentirai rien. Leurs gâteaux ne seront pas dégueux et personne ne se moquera d'elles. Parce qu'on va échanger leurs gâteaux contre les nôtres. Quoi?
Non, mais ça va pas. Oh, regarde les bébés qui ont fait faire leur gâteau par leur maman. Les nôtres, on les a fait toutes seules et ils sont délicieux. Ah oui, c'est vrai? Mais tu nous prends pour qui? Pour des nuls? Oh. Tu les as entendus? Si leurs gâteaux sont si bons que ça, pas la peine de leur refiler les nôtres. Je préfère vérifier. Ici, ce sera parfait. Oh ouais, c'est pas mal ici. Quelqu'un veut m'aider à étendre les nappes? Oui, moi je vais le faire, attends. Hop. Allez, c'est le moment. Alors, qui m'aide? Allez, à toi. On va se régaler. Dépêche, elles arrivent. Oh. Il sent super bon. Moi je sens rien alors. Allez, on goûte. Je ne dois pas faire goûter ça aux autres. Il faut échanger les gâteaux. On pourrait pas plutôt refiler du gingembre à tout le monde? Ils sentiront pas le goût comme ça. Caprice, c'est ta copine, non? Tu peux bien lui sacrifier tes gâteaux. Faut qu'on trouve une occasion de faire l'échange. Les enfants, nous allons commencer. Alors, qui veut nous faire goûter son chef-d'œuvre? Nous, mademoiselle. Jane et Caprice. Nous allons nous régaler. Aïe, aïe, oh. J'ai été piquée par une fourmi rouge. Ouh, ça fait mal. Aïe. Oui, moi aussi, mademoiselle Lily. On est assis sur une fourmilière. D'accord, d'accord. On va s'installer plus loin. Bon, tout le monde est en place? Oui, mademoiselle. Maintenant que nous avons échappé à l'attaque de fourmis rouges, nous allons pouvoir commencer la dégustation. Jane, Caprice. Waouh! Vous avez vu le poisson? Il était énorme! Ouais, je l'ai vu, moi! Je l'ai vu! Un monstre! Oh, oh, oui, moi, je vais voir aussi! Ah, j'adore ça! Oui, les poissons, moi! Ah, il est où? Christian, je vous trouve bien agité aujourd'hui. Si vous nous faisiez goûter vos gâteaux. Il en reste juste un pour vous, mademoiselle Nelly. Ça a l'air délicieux. Ah! Barque, quand je pense qu'ils nous ont prises pour des nuls. C'est très original. Bon, à qui le tour? Bon, bah alors à nous maintenant. Oh. On a fait des sablés au thé vert, sans l'aide de personne. Waouh, c'est super bon, c'est génial. Ouais, super génial. On s'est payé la honte avec des gâteaux dégueux, tout ça pour rien du tout. C'est bon. Moi, j'en veux encore un. Oh oui. Je vais t'attraper. Bravo pour vos gâteaux. Christian et moi, on n'y croyait pas. On est désolés. Dites, il y a quoi dans votre boîte rose? Eh bien, en fait, avant de réussir nos gâteaux, on en a raté pas mal. Alors, on les avait apportés pour les canards. Mais on a oublié, alors on va les jeter. Non, fais pas ça. Oh, mais c'est quoi ces gâteaux? C'est bon. Mais comment ils sont arrivés dans notre boîte? Cédric voulait pas qu'on se moque de vos gâteaux. Voilà, alors on a fait l'échange. C'est bête, mais c'est trop gentil. Après l'école, je vous invite tous les trois chez moi et je vous fais des crêpes au vinaigre de riz, c'est d'accord?
Génial!